l'abri de la tôle. Voilà, la clé. Là. Il faut appuyer quelque part, non? Tu peux appuyer sur le frein, mais là, vu qu'il est en parc, c'est vrai. Ouais. Pas. Vas-y. Tu coupes sur l'accélérateur pour qu'il... Là, on sait qu'on est dans une nuit. Là, les copains, ça va être sympa. Alors, Donc voilà, tu tires un petit peu vers toi et après, tu te mets en drive, en D. D'accord, ok, ça marche et ça part tout seul. Alors je conduis affalé, c'est normal. On va par où? Tu ressors, je sais pas ce qui est le plus facile. On va commencer par une manœuvre, c'est pas... Ouais, carrément. Ah, faut bien anticiper, t'as vu. En effet. Ah, et le freinage non assisté aussi, on ouais, connaît. Cette caisse, t'as plus besoin de faire de muscu en fait après. Ah, c'est clair. T'as les bras. Là, je vais à gauche. Là, tu vas à gauche, ouais. Attention à la benne. C'est bon. Allez, c'est parti. Oh, le bonheur. Bien, bonjour à tous, c'est Fils67. Je me retrouve aujourd'hui avec François. Bonjour François. Salut Fils, salut tout le monde. Donc François de French Muscle. Donc François de French Muscle, là je vais où? Je continue là-bas. Ouais. Qui a une chaîne de principalement axée sur les véhicules américains. Ouais. Je vous invite à aller voir sa chaîne, même maintenant ou après la vidéo. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Bah, merci de me recevoir dans ta Vendée. Bah, écoute, avec plaisir. Donc, on se retrouve à bord de ce magnifique pick-up, mon premier pick-up, mon premier V8 américain, America. Donc, c'est un Chevrolet C10, c'est ça, de 1970. 70, ouais. Avec, donc, sous le capot, vous le verrez tout à l'heure, un small block 350 cubic inch. Alors, les freins, alors... Voilà. J'avoue, pour freiner, mon gars, en plus j'ai des grandes pattes. Donc faut se battre avec le véhicule. Le contour, en fait, c'est quand t'es grand, c'est chiant. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est sympa. Alors, on enlève le. Voilà. Ouais, parce qu'il se remet pas tout seul. Le... Ouais, ouais, ouais. Ah bah, old school, hein. Ah, voilà. Attends. Donc, bah, il est chaud. Vas-y, tu peux y aller. C'est pas un foudre de guerre. Non, il fait 2 tonnes donc. Il fait 2 tonnes, voilà. Faut l'emmener, ouais. Mais tu sens que c'est un camion quoi. Ouais. Tu sens quand même que le moteur il est là. Il développe combien? Alors on l'a pas mesuré au banc, mais je pense entre 250 et 300. Ah quand même? Ouais, ouais. Ouais, c'est pas. Non, c'est pas dégueu. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, 250, 300 chevaux, t'as ouais, pas fait de bande, d'accord. C'est d'origine ou. Non, le moteur a été modifié. Alors pareil, je sais pas exactement ce qui a été fait, mais au vu des pièces qu'on voit déjà. Clairement, il a été amélioré. Ouais. D'accord. Ouais. Comme quoi, comme pièce par exemple Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais à mon avis, déjà le carbu est pas d'origine, ça c'est clair. D'accord. Et après, si tout va dans le même esprit, on peut se dire que les pièces internes, les abracams et tout, ont peut-être été modifiés. D'accord, ouais, donc il y a quand même pas mal de sans prépa. L'ouvrir, on pourra pas savoir. D'accord. Bon, vaut mieux pas l'ouvrir. Non, tant que ça marche, moi je préfère. C'est clair. La direction, je la trouve très floue. Alors après, tu me disais, il n'y a pas de direction assistée, non. Pas de freinage assisté. Non. Alors ça, le freinage non assisté est quand même très surprenant. Tous les C10 sont pas comme ça. Hein. L'option était disponible. D'accord. Là, c'est qu'il l'avait pas, mais voilà. D'accord. Sur tous les modèles. Ok. Bon, c'est un coup de main à prendre, je pense. Ouais, ouais. T'as une ligne d'échappement ou pas? C'est pareil, je pense, c'est pas celle d'origine. Ouais. Ouais. Mais elle sort sur le côté? Elle sort à l'arrière, un peu. À l'arrière sur le côté. Ouais. À tête de côté. Ouais, des deux côtés. D'accord. Et quand tu veux freiner, c'est. Là je suis ouais. Je suis debout dessus hein, les gens. Vraiment je suis debout dessus, ça freine que dalle. Mais ça fait le charme, c'est vraiment le charme de ces, voilà, ouais. Ces voitures là. Franchement merci de me prêter ça, de me laisser conduire ton bébé. C'est pas des voitures qu'on voit toujours, c'est bah carrément ouais, j'en ai toujours rêvé. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait aussi la chaîne French Muscle. C'est pas des véhicules qu'on voit tous les jours, donc c'est sympa de les faire connaître ouais, un peu plus aux, carrément. Aux gens, quoi. Parce que du coup, explique un peu ta chaîne, c'est quoi ton idéal de ce que tu veux faire paraître sur ta chaîne, ce que tu veux montrer en fait. Alors ben moi le but, j'ai commencé la chaîne parce que je connaissais pas mal de monde qui avait des voitures américaines. Moi j'en avais aussi. Le but c'était ben, de profiter un peu de tous ces contacts. Ah ouais, donc... pas. À droite, tu m'as dit. Oui, à droite. Ouais. Quoi, le but, c'est d'être profiter de tous les contacts que j'avais et puis du fait que moi aussi j'avais ces voitures-là pour
pour en parler, les faire découvrir donc à travers des essais de voitures, un peu comme ce que tu fais, des voyages, des balades, ouais. On organise des trucs entre nous. Et du coup, je fais aussi partie, j'étais membre fondateur du club AMCV en Vendée. Alors c'est quoi AMCV? Donc, c'est un club qu'on a créé il y a quelques années avec des propriétaires justement de voitures américaines. D'accord. Donc basé sur la Vendée et alentour, on organise des balades, des petites journées US aussi de temps en temps. Ouais. C'est ça aussi qui m'a permis de rencontrer pas mal de monde. D'accord. Et après sur les rassos, sur les réseaux sociaux, tout ça. Ok. Et ça peut aller des anciennes comme là jusqu'aux voitures les plus récentes. J'ai essayé la Challenger Hellcat de 2016. Ah, oh, ça c'est quelque chose. Celle qu'on voit souvent sur les rassos vers chez nous, je pense. Ça, il y en a pas 14 de toute façon. C'est ça. Voilà, c'est la chance aussi des fois de trouver des modèles vraiment pas communs. Ouais. Et de les montrer sur la chaîne, quoi. D'accord, carrément. Et là, franchement, c'est les routes comme ça. Alors, je le dis dans toutes mes vidéos, c'est les routes préférées parce que bon, c'est pas des bêtes de vitesse, hein. C'est vraiment là, c'est le pick-up. Faut vous dire que de base, ce genre de machin, ça a été fait pour les paysans, hein, dans le fin fond du Texas, pour partir chercher le bétail. Quand vous verrez la benne tout à l'heure, ouais, elle est juste monstrueuse, la benne. Elle fait combien? 2,50 m? Elle fait 2,45 m de long. Ouais. C'est immense. Ouais. Mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Je commençais moi aussi ma petite vidéo. Ouais. Et pareil, sur des routes comme ça, t'as l'impression d'être quelque part aux US. Ouais. D'aller retrouver ton troupeau, je sais pas quoi. C'est ça. Jusqu'à ce que tu vois une voiture sans permis immatriculée 62. Et là, tu te dis, bah, en France, quoi. Par contre, faut accélérer, mais faut savoir freiner aussi. Le freinage pire, d'urgence. Le pire, je crois, c'est les ronds-points. Je sais pas si tu le verras tout à l'heure. Ouais. Les ronds-points, c'est vraiment. C'est la cata. Ah, ouais. Niveau équipement, on parlait des modifications apportées au moteur, à la ligne d'échappement. À l'intérieur, on va parler un peu de l'intérieur. Donc, c'est pragmatique. Hein. On va avoir clignotant droite, gauche. On a oil pressure, donc ça devient rouge si c'est rouge, si c'est trop haut. Si y a un problème, ouais. Ici, on a le fuel. Voilà. Donc, enfin, la jauge d'essence. Voilà. Et on a la vitesse ici. Les lumières, c'est ça. Donc, en fait, j'appuie ou je tire? Tu tires pour allumer. Je tire là, ça allume voilà. Les feux. Et quand c'est allumé, tu peux mettre les pleins phares. Je te montrais, il y a le ah ouais, bouton attends. Là en bas. Les pleins phares. D'accord. Sont attends, okay, ouais. En fait. Je sais pas si vous écoutez, si vous entendez, mais voilà. Donc, je vais éteindre ça. Ouais. Ça, c'est wiper. Ça, donc, c'est... tu tires et ça les. Ouais, tu tournes en fait et ça met les essuie-glaces. Voilà. D'accord. Ouais, ils sont ça, ultra c'est... efficaces. Bah ouais, ouais. Précises, bien sûr. C'est pas mal ça. Sous la pluie, c'est une catastrophe. Ah ouais. Ah, vous freinez. Et du coup, là, je vois, t'as des manos. Alors, c'est quoi? Après, ouais. Alors, ça a été comme ça quand je l'ai acheté, mais quasiment toutes les voitures de ces années-là, les gens les ont rajoutées. Ouais. T'as le contour forcément quand elles en ont pas. Et après, d'accord. T'as... Donc là, c'est un Sun Pro, d'accord. Petit ouais. Contour qui a été mis là. Voilà. Après, t'as les. Ça, trucs, je conduis avec les jambes en isocèle. Je te jure. Parce que la banquette, je sais même pas si elle se bougerait en fait. Je crois pas, non. Ouais. Du coup, ouais. Ah, obstacle! Obstacle! Et bon. Ouais, après, t'as les jauges standards. J'avais les mêmes sur la Nova. Ouais, donc pression d'eau, la batterie ouais, et puis ouais. la pression d'huile, quoi. Ouais, ouais. Là, on est en centre-ville, là, attends. Donc là, je suis en. Ouais, je suis en drive, c'est bon. Alors, le trottoir, attention! C'est bon! Oh là 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 là! C'est ça, des trucs comme ça quand t'es bas dans les tours. Par contre, c'est fou! Ouais, ouais. Je suis debout sur les freins, mon pote! Quand t'es bas dans les tours, par contre, ça envoie. Ouais, c'est ça, voilà. Une fois qu'il est lancé, il faut qu'il. Oh là là, puis ça résonne des deux côtés dans le pont là. Ouais. Pépite! Ensuite, intérieur, bah, t'as le lecteur radio qui a été rajouté. Changé, ouais. C'est dommage, ça je trouve. C'est, sur ma traque, c'est... que j'ai parmi la façade, ouais. Je m'en sers très très rapidement. Ouais, bah, en même temps, t'as le bruit, c'est vrai qu'il ouais. Chante pas mal. Ouais. Mais je trouve ça juste, moi j'aurais bien aimé avoir le vieil autoradio ouais, bah, comme ouais. T'as là quoi. Qui doit avoir les vieux boutons, la fréquence à changer à la main, ça je trouve ça fait vraiment le charme. C'est juste un peu dommage, mais c'est pas grand chose. Ça c'est allume-cigare. Ouais. Là t'as les trucs pour le chauffage. D'accord. Après, du coup, ouais, les warnings, ça y en a pas grand monde qui sait. C'est un petit bouton qui est ici. Alors, je sais plus, tu le tires, je crois, tu le pousses. Ah non, tu pousses. Voilà, ouais. D'accord. Et c'est vrai que sur ma première voiture, j'ai mis des mots à trouver comment faire. Et après, tu le tires ou tu. Ah voilà, et tu le tires pour l'enlever. D'accord, ça marche. Voilà, ah, c'est cool parce que je suis pas tant concentré sur la route que ça. Parce qu'on discute, machin, je regarde un peu l'intérieur. Ouais. Mais il se conduit très bien. C'est que, bon, tu lâches, il va pas partir. Hein. Ouais. La direction ouais. Est tellement raide que là, c'est. Faut vraiment l'emmener quoi, c'est bateau. Les sièges mon gars, c'est. Ça
c'est clair. Tellement confortable. C'est le gros point fort, ouais. Pour faire de la longue route, c'est confortable? Alors ouais, alors faut savoir que le road trip que j'ai fait, c'était vraiment des petites étapes à chaque fois. Ouais. J'ai pas conduit plus d'une heure, une heure et demie à la fois. D'accord. Mais tu sens que ouais, ça peut être confortable même sur des longues distances. Ouais. Y a pas de problème. Ouais. Alors on écrase le frein. Je vais où? Là tu files, ouais. Direction. Alors, c'est ça qui est chiant dans les ronds-points. Ouais, là, faut vachement anticiper. Ouais, parce que t'as la longueur de la benne aussi, ouais. On se rend pas compte derrière. Oh merde, il accélère tout seul. Oh fuck! Oh fuck, la poignée, la pédale, elle était restée en bas, mon gars. Ah, j'ai eu un coup de flip là. Nouvelle panne! C'est une voiture qui a 50 ans, hein, donc. Non, mais. Voilà pourquoi en général les copains ils veulent pas me prêter leur voiture. Ils disent que je casse tout. Je comprends pas pourquoi. Ah, je te jure, je vais avoir. En fait, tu conduis cette bagnole, enfin ce camion. Je crois que t'as la jambe qui va être aussi grosse que le bras de Nadal. Non mais. D'accord, en fait, il change à. Quand je dis que ça marche bas dans les tours, c'est vraiment que c'est 100% au couple sur cette bagnole. Parce que bah là vous le verrez tout à l'heure, on a la petite aiguille qu'on peut régler. Il change de vitesse à 4000 tours. Ce qui est très peu, mais c'est vraiment pour profiter de tout le couple du V8. Tu sais combien il développe en couple? Non, après je sais que ma nouvelle était dans les 450 Nm. D'accord. Donc à mon avis ça va être voilà, peut-être un peu plus, peut-être 500 quoi. Bon, parlons peu, parlons bien. Combien ça consomme ce machin? Parce que c'est pas beau, c'est pas tout d'avoir un V8. Ouais, j'ai une voiture américaine, mais est-ce qu'il faut avoir un portefeuille qui suit? Alors, ou pas? Après, tout dépend de l'usage qu'on en a. C'est vrai que moi, j'utilise principalement le week-end, hein, donc le kilométrage est bien moins élevé. Mais ouais, on est autour des 20 litres au 100. Quoi. Ah, quand même? Donc, ouais. Quand même. Ça va dépendre. Il y en a des modèles de muscle car qui sont bien réglés, avec des moteurs peut-être un peu moins préparés. On peut tourner autour des 15. Ouais. Après, les big blocks, les grosses muscle cars, ça va aller autour des 30, 40 litres au 100. Quoi. D'accord. Quand tu tapes un peu dedans, ouais. Ouais, donc quand même, ça suce. Voilà. Disons que tu vois le road trip par exemple, bah tu calcules un peu avant quoi. Ouais, bah carrément, ouais. C'est pas la Twingo du dimanche, hein, ça, on va dire. Sinon, bah niveau huile, machin, t'as pas de conso d'huile non plus. Je sais pas, non, si je connais pas. Bah, je connais pas du tout les V8. Il y a la petite goutte d'huile qui va bien sur le sol du garage. Ouais, de temps bon. En temps. Mais comme on dit, tant qu'il y a de l'huile qui tombe, c'est qu'il y en a. Voilà. Donc, mais sinon, non, franchement, il y a pas à se plaindre. Il y a juste l'entretien standard à faire. Et, ouais. Et ouais. C'est bon, j'ai réussi. Ce son, tu peux pas t'en passer quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment ouf. Ça, c'est les petites fenêtres, elles s'ouvrent là? Ouais, voilà. Alors elles sont un peu bloquées, donc je les ouvre pas trop. Ah ouais, d'accord, je vois. Si en fait, tu ouvert. Tournes la mallette là. Ouais, je sais pas si c'est ouvert, mais en bas, t'as des petites tirettes. C'est même pas où, là, celle-là. Ça là? Ouais. Oh! Et ça t'amène de l'air en fait. D'accord, ça ouvre sur le côté. Ils étaient ingénieux ces mecs. C'est la clim manuelle de chez Chevrolet. Après ça, je trouve ça sympa en fait. C'est d'origine, tu crois? Ah oui, ils l'ont peut-être. Parce que c'est en fait c'est tout en rappel, en concordance. Non, je sais pas comment dire. Ça se marie avec ça, voilà. Ah, faut freiner. Je vais où? On continue tout droit. D'accord. Ah voilà, c'est bon. Je suis bien là. Alors je vous raconte même pas comment j'ai chaud. Hein, je fais le beau avec mon super pull Bros Garage que vous pourrez peut-être bientôt avoir pour Noël, on va voir. Mais je là oui j'ai chaud. Là encore une fois on arrive en ville. Là c'est bien sympa en ville. Alors c'est une zone 30, hein. Alors vous se mettez à 30 et là on entend le. Mais tu vois c'est limite là que je le préfère le plus le V8. Bah ouais. Tu l'entends vraiment glouglouter quoi. T'entends le bleu. Oh là 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 là. C'est génial. Mais moi je me ferais remarquer avec ça tout le temps. Dès que tu la sors la nuit, t'as toute la ville. Ah bah ouais c'est clair. Oh là là. Ah merde, il y a une bosse. Ah. C'est bon. Faut avoir une bonne vue avec cette fois. Ouais c'est clair. Ça fait jouer les réflexes. Ouais. Là j'ai vu, on a bien rebondi mais c'est hyper confortable. Ouais. Je commence à avoir une crampe à la. Ah, à la jambe. C'est quoi comme suspension? Alors en fait, donc là faut savoir que c'est un C10, donc c'est le modèle le plus. Tu disais? Je disais
je disais, c'est le C10, donc c'est le modèle le plus light, on va dire, entre guillemets, des pick-up Chevrolet. D'accord. Après, C20, C30, en fait, ils vont renforcer le châssis pour avoir plus de capacité de chargement. D'accord. Donc, du coup, ça, ils vont mettre des lames dessus, des lames de suspension et tout. Parce que là, t'as quoi? T'as des tubes à l'avant. Ouais, avec des ressorts. Et à l'arrière, c'est des rampes, non? Non, à l'arrière, c'est aussi des ressorts, justement, parce que c'est la version la plus light. Ah, d'accord, ok. Ouais. Bah, d'ailleurs, je les ai changés, les ressorts, parce que les mecs aux US. On sentait qu'elle penchait un peu d'un côté, elle se comportait bizarrement. Ouais. Et en fait, pour rabaisser la bagnole, bah, ils ont chauffé les ressorts. Oh là là, les. Ils ont fait ça comme des porcs. Et. America! Donc on s'est rendu compte de ça, on a changé les ressorts. Et là, ah, tu m'étonnes. Tu crois que je m'y ferai jamais, j'ai déjà mal à la jambe. En fait, je pense que quand t'as l'habitude, ça va. Mais c'est qu'il faut anticiper mais là... le faire progressivement. Et là, tu vas voir un demi-tour sur un rond-point là-dessus. Ah! En plus, faut freiner parce qu'il y a un putain de camion là. Ça drift? Casse pas la voiture! J'en ai besoin! Faut savoir, je disais tout à l'heure, là j'ai une Nova aussi de la même année, même moteur. Chevrolet Nova, Chevrolet du coup, Nova, d'accord. Ouais, et elle avait la direction assistée, freinage assisté. Et en fait, c'est le jour et la nuit quoi. Le, ah la bah tu m'étonnes. Sur ces années-là, mais c'est une main, un doigt, c'est nickel. Ouais. Et le freinage, pareil quoi. Là c'est vraiment, je vous raconte pas, je suis en sueur. Vraiment, en tentant l'essence qui. T'entends l'essence qui ouais, bouge dans là, le. Faut savoir que le réservoir là il est juste derrière nous en fait. C'est, ah c'est ça, c'est la benne qui est derrière, là, il a été déporté ça, ou. Non c'est derrière la derrière là, je vais le siège, ouais continue alors. Derrière ah, il est banquette, derrière la banquette. Il y a, t'as le, alors il y en a qui. Ah il y en a qui vont le mettre sous la benne. Ouais avec et, les racing fuel, enfin les boîtes à ouais, racing fuel. Mais, d'origine il est derrière la banquette. D'accord, donc on l'entend en fait juste derrière nous. Voilà, je pense là, pas qu'on entendra dans la vidéo. Ouais, là t'as quoi, t'as 60 litres qui se baladent à 20 centimètres. D'accord. De toi, en gros t'allumes une clope et y a un truc qui part en voilà, goutte, tu ouais, pètes quoi. Ouais, c'est un okay. Clope non fumeur. Voilà. Et finalement il fait pas si gros sur la route, c'est que. Bon, t'es assis très haut, t'as beaucoup de visibilité, ça c'est sympa. Ouais. T'as un énorme capot devant, encore plus long derrière. C'est vrai que quand tu regardes derrière, c'est impressionnant. Mais je trouve qu'il n'est pas si large que ça ouais, par rapport à un nouveau Raptor ou ah, un, oui, un Silverado ouais, ou des trucs ouais. Comme ça. T'es dans une toute petite cabine qui est toute vitrée. Ouais. T'as vachement de visibilité. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que là c'est 360. Tu mets ouais. Une caméra, tu vois partout. Ouais. Là, on n'a personne derrière. Ouais. Prêt? Vas-y. Là il gueule, là il gueule bien. Là c'est génial, ça c'est l'Amérique putain. Wouhou. Et maintenant on peut freiner, j'avais oublié. Ouais. J'avais oublié. Et là ah. Et toi l'accélération ça marche mais le freinage là t'es. Tu vois L1, L2, L1, c'est quoi? C'est les vitesses longues, ça sert à quoi? C'est pour tracter? En fait, bah, tu peux choisir, c'est une boîte automatique, mais tu peux aussi choisir de rétrograder manuellement. D'accord. Alors c'est effectivement L1, c'est si tu vas être dans une grosse côte ou enfin t'as des cas comme ça. Mais par exemple si le kickdown, donc le fait de rétrograder ouais, ouais, ouais. Marche pas ou si t'as envie de le faire à un moment où il le fait pas, tu peux bim descendre d'un rapport. D'accord. Manuellement. C'est quoi? C'est une boîte 4? C'est une boîte 3. Boîte 3, d'accord, ouais. Donc des rapports très longs. Ouais. Alors faut savoir que boîte 3 ça peut paraître peu pour les gens qui sont habitués à récente, bah oui, oui. J'ai déjà essayé, enfin en passager pour le moment, mais des muscle cars ces années-là qui ont des boîtes de vitesses. Donc là, t'imagines même pas le délire. Ah, c'est un chapitre quoi. Ouais. La deux passes, et là, tu te dis bah jusqu'au bouche, j'ai plus que ça quoi. Ah la vache. Ouais, ouais. Bon, on va aller se poser gentiment, calme, pour faire le tour de ce superbe pick-up. On l'a entendu un peu crisser tout à l'heure. C'est un différentiel séparé, c'est que ça a une roue motrice. Alors, ou ouais, deux. Il n'y a pas d'autobloquant, donc il y a une seule roue qui va borner. En fait. D'accord, ouais. C'est vraiment une roue motrice ou c'est non, t'as alors, le pont qui fonctionne avec les deux, ouais, mais du coup ça va en heure. Les deux, alors je suis pas expert, mais en gros les deux vont être motrices. Ouais. Mais si tu veux, quand il y en a une qui perd l'adhérence, l'autre va pas. D'accord, ok, je vois. Ouais. Si vous voulez savoir comment faire un pont soudé. Dans la description aussi. En toute sécurité. Oui, c'est tout à fait en toute sécurité. Torse nu, mon gars. Écoute, on va se mettre là. Parce que pour la photo, c'est carrément trop beau, mon pote. Alors maintenant, leçon one, de manœuvrer la voiture. Putain, elle est longue, la benne. C'est bon. Donc, nous voilà à l'extérieur pour présenter ce magnifique Chevrolet C10. La couleur, elle est super belle. Là, en plus, le soleil, ça rend vraiment bien. Ça me fait penser au rouge de la Prélude de Cam. Je pense que ça vous fera le même effet dans les commentaires. Donc, C10, on peut pas le louper. Là, franchement, tu peux pas le rater. On est sur des jantes en 15, mais avec des pneus en mode Jean Gomard, quoi. Je crois que tu risques pas de les user trop vite. On parlait tout à l'heure, on a le réservoir qui est là. Ouais. Avec donc le baquet derrière, vraiment derrière la banquette quoi. Et la benne, franchement, mais la benne,
Elle est juste, elle est immense. Je sais pas si on s'est allongé là avec la caisse, mais bah, je pense quand même. Ça s'ouvre là? Ouais. Oh, c'est lourd. Tu vois, c'est fait pour. Ouais, carrément. Ouais. C'est génial. Donc là, tu vois, moi, je mettrais juste canapé, copain, et puis comme ça, c'est bon, on a une 8 places, quoi. Voir une piscine. Donc là, à l'extérieur, bah voilà, on a donc la benne qui est, bon, ça, c'est blaxonné, voilà, on a tout ça qui est peint. Non, il n'y a rien de particulier. La malle, c'est quoi? C'est toi qui l'as rajouté? Ouais, c'est un truc que j'ai acheté. D'accord. Voilà, je crois que tu peux mettre des casquettes, non, là-dessus, c'est pas... ça, c'est pour éviter qu'il pleuve sur, que ça goutte sur ton pare-brise. La petite gouttière. D'accord. Ils pensaient à tous les mecs à l'époque. Ouais. Franchement. Et puis l'objet du délit. Bah écoute, j'allais t'en parler. Donc là, t'as pas de tirette à là-bas, voilà. C'est directement ici. Je pourrais pas le dire, mais c'est vrai que tu pourrais accéder au moteur n'importe qui. D'accord. Ok, voilà. On met tout le monde d'accord. Donc le fameux V8, il est là. Donc tu me disais tout à l'heure, c'est un. Alors on va voir si j'ai retenu. V8 Chevrolet, small block, 350 CI, 250-300 chevaux, on était par là. Ouais, ouais. Année 70. Ouais. Voilà, avec des magnifiques Turrets. Oh! Est-ce que ça serait pas du AliExpress? Eh ben oui, voilà, comme quoi. Comme quoi, AliExpress, c'est la vie. Vidéo non sponsorisée. Ouais, donc tu me disais, t'as rien fait dessus, hein. Il a été préparé. Ouais, voilà, ça a dû être fait aux États-Unis avant que je l'aie. D'accord. Donc après, voilà, je pense que esthétiquement, on peut voir le carbu est pas d'origine. Le filtre c'est ça air là aussi. Pareil ouais. Ouais, le filtre air, le carbu, bah, l'allumage derrière, c'est sûr que c'est pas d'origine, donc après on peut se douter qu'en dessous ça a été un peu changé aussi. D'accord. L'admission pareil. Ça c'est dingue, la place, c'est quand même un 5 litres 7. Ouais, 5 litres 7. 5 litres 7 et tu as tout ça comme place autour. Tu mets ça dans ma bagnole, il n'y a plus rien. Hein. J'aimerais bien ça dans ma bagnole d'ailleurs. Je pense que ça marcherait pas mal c'est dans la Civic. Hein. Ouais. V8 dans la Civic, votez. La magnifique calandre, bien chromée. On a fait un peu le tour d'extérieur. Après, voilà, il n'y a pas masse plus à dire. Juste que c'est un putain de bijou. Quoi. Il est magnifique. On peut dire que, donc, le C10, il a existé en plusieurs versions. Donc là, c'est benne longue. Ouais. Il a existé en benne courte. Elle doit faire 2 mètres, je crois, à peu près. Et il existait aussi ce qu'on appelle le step side, donc les flancs en fait sont rentrés vers l'intérieur et ça fait une marche, c'est pour ça qu'ils appellent ça step side. D'accord, ok. Donc en fonction des usages, voilà, il y avait quatre options différentes. Quoi. D'accord, bah, merci pour les précisions, franchement. Magnifique voiture, enfin magnifique camion. Merci. Super content de t'avoir rencontré, je pense qu'on se reverra sûrement sur des rassos ou d'autres trucs comme ça. Pour le prochain jouet aussi. Oui. Hein. On va voir. Et puis voilà, c'était Fizz et French Muscle, allez voir sa page, allez vous abonner à sa chaîne, il fait vraiment des super vidéos. Et si vous aimez tout ce qui est américaine, vous serez servi avec lui. Maintenant, on va vous laisser sur le doux son du V8, on va mettre la GoPro à l'arrière. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Salut.